Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Un petit concours de bêta, coucou de bêta, pardon, excusez-moi. Alors voilà, je m'adresse à vous dans cette vidéo. J'aurais voulu vous raconter il y a 3 ans de ça. En fait, j'avais dit que même pas en rêve, je voyagerais à Oman. Mon cousin m'avait posé la question, mais comment, Rabbi Nachman? Alors c'est vrai que Rabbi Nachman, je vous dis franchement, grâce à sa Torah, Baruch Hashem, grâce à ses enseignements, il m'a cassé le côté austère que j'avais de la Torah et qui me refroidissait dans ma Avodat Hashem, qui me peinait dans ma Avodat Hashem, alors que je suis folle amoureuse de Kadosh Baruch Hu et de sa Torah et de ses mitzvot, mais j'y arrivais pas, j'avais toujours peur, j'étais pas tranquille, j'étais angoissée. Et quand je suis arrivée à Bétar, j'avais des amis qui étaient Breslev. Au début, pour moi, les Breslev étaient un petit peu... Et quand j'ai commencé à découvrir la vraie Torah de Rabbi Nachman, les Yad Simchat Tamid, de s'aimer, d'être joyeux, d'apprécier ce qu'on fait, d'être content de chaque mitzvah qu'on fait, je peux vous dire que ça m'a littéralement changé ma vie. Donc mon cousin m'a dit, alors pourquoi tu n'irais pas sur Saturne? Je lui ai dit, écoute, on a assez de tzadikim en Israël pour que je dois voyager jusqu'en Ukraine, j'ai rien à faire en Russie, à Ouman, mais franchement, c'est bon, je suis très bien en Israël. Et j'ai rajouté, tu me payes mon billet, je n'irai pas à Ouman. Si tu veux faire rire Kadosh Baruch Hu, ben raconte-lui tes projets. Donc sur ce, dans la semaine qui a suivi, je reçois un coup de fil de Harachim et de Maurice Tapiro, le mannequin de Air France, qui me dit, voilà Myriam, on voudrait te faire sortir avec une voussa un groupe de Françaises et d'Israéliennes. Est-ce que tu serais intéressée à voyager à Oman? Oh, j'étais carrément éberluée, je me suis dit, attends, je crois que je rêve là. Pour moi, j'ai vu ça comme une invitation de Rabbi Nachman. Et Baruch Hashem, Zachriti, j'ai eu le srout, et les femmes qui ont participé à ce voyage, elles peuvent vous raconter encore. C'est une expérience inoubliable. On est parti, on a fait 3 heures donc, jusqu'à Kiev, ce qui n'était pas énorme. Ensuite, on est parti sur le Kever Rabbi Levi Yitzhak Berditchov. Et Rabbi Levi Yitzhak, toutes celles qui ont des rancœurs, des peines, qui n'arrivent pas à juger favorablement son prochain. Quand on va sur le Kever de Rabbi Levi Yitzhak, on doit prier et pleurer qu'il nous aide, qu'il intervienne auprès d'Akadash Boukou et qu'il nous aide par son mérite de pouvoir pardonner et d'aller de l'avant. Ensuite, on a roulé encore 3 heures et on est arrivé sur le Kever du Baal Shem Tov Akadosh. C'était une expérience assez inoubliable, l'endroit, le Beit Hamidrash du Baal Shem Tov, celui qui est le fondateur de la Chassidoute, l'intériorité de la Torah, qui nous a dévoilé l'amour d'Hachem, l'amour du prochain. C'était incroyable. Ensuite, on a roulé encore 3 heures et on est arrivé chez Rabbi Nathan. On a beaucoup prié, on a fait un jeu aussi entre femmes qui était très très sympathique. Et ensuite, on est arrivé chez Rabbi Nachman, on a passé Shabbat là-bas. C'était aussi quelque chose d'exceptionnel. On vivait au-delà du temps, il n'y avait plus de... Je sais pas, c'est une sensation qui est très particulière, que j'arrivais même pas à exprimer avec des mots, parce que c'est quelque chose de spirituel. Il y en a qui me disent, d'accord, plus qu'en Israël, je sais pas comment expliquer. Je vous dis, je suis pas une fan de Ouman, d'aller, ouais, je reviens éliminer, pas du tout, simplement. C'est une expérience que je souhaite à tout le monde de vivre au moins une fois. Quand on est arrivé là-bas, alors les femmes au début, elles ont commencé à me dire, ouais, c'est quoi ce voyage, c'est difficile, on va 3 heures, et puis on arrive dans des maisons, et puis c'est bizarre. J'ai commencé à prier à Hachem, je lui ai dit, il faut que tu m'aides, je sais pas quoi dire à ces femmes-là. Moi aussi, je m'étais engagée dans une aventure où je connaissais même pas, je savais pas trop où j'allais, mais bon, j'avais quelqu'un au-dessus qui supervisait quand même, malgré tout. Et Hachem, il m'a dirigé dans mes mots et j'aurais dit, écoutez, mesdames, vous n'êtes pas partie là dans un hôtel 5 étoiles. Vos maris vous ont payé un voyage qui coûte quand même pas si cher, mais quand même cher. Et la hatzlacha, la réussite de ce voyage ne dépend que de vous. Moi, je ferai tout pour vous le rendre agréable, sympathique, pour vous faire les cours les plus sympas. Mais après, ça dépend de la manière dont vous allez voir les choses. Et vous allez ou kiffer ou grogner. Et plus on grogne, plus on s'attire des choses. Je peux vous dire que c'était une expérience là, tout béable, qui était inoubliable. On a chanté, on a dansé. J'ai pas dormi pendant 5 jours. D'ailleurs, je suis revenue avec une conjonctivite dans les yeux tellement j'avais pas dormi. J'avais parlé avec les femmes pendant la nuit, le jour. Mais c'était une expérience géniale. Donc je vous invite à nouveau à participer au voyage que je vais faire, Bezrat Hashem, qui a été organisé par le Rav Aaron Chitrit, qui a le site de Haye, et qui m'a proposé, qui m'a invité depuis quelques temps, ça faisait quelques temps qu'il me relançait. Et je lui ai dit, si je vais, c'est qu'en été, c'est-à-dire août ou béav, ou voilà, maximum jusqu'en octobre, parce qu'après, il fait trop froid, je supporte pas. Et donc voilà, donc je vous invite, je vous propose à vous joindre à notre voyage Bezrat Hashem, qui sera certainement aussi fabuleux que celui qu'on a fait il y a 3 ans. Et ça sera du
lundi 12 septembre, mardi 13 septembre, mercredi 14 septembre. Ça va être 3 jours très intensifs. Au départ de 5h30 du matin, retour le soir, mercredi soir. Et il y aura plein de conférences, comme je donne d'ailleurs sur le site. Et il y aura des journées de pèlerinage. C'est Maison Tout Confort, traiteur de qualité, visite au parc Sophia. Je l'ai fait, c'est un parc qui est merveilleux, c'est magnifique. Voilà, juste vous mettre un petit peu dans l'ambiance du voyage à Oman pour vous donner une petite touche comme ça, sympa, pour avoir envie de venir. Les places sont très limitées, il y a déjà eu pas mal d'inscriptions au Baruch HaShem, donc on vous attend encore. Il y a des départs d'Israël, des départs de France. Pour tout contact, ne me contactez pas moi, je ne m'occupe pas du tout du côté technique du voyage. Je m'occupe plutôt du côté Tiou, la Dracha et tout ce qui est spirituel sur place. Je vous donne le numéro de Aaron pour le contacter, 054 686 42 10. Pour celles qui viennent de France, c'est 01 77 38 17 10. Je vous remets l'affiche comme ça. Peut-être que vous allez... Ah bah non, vous ne pouvez pas le voir comme ça. Non, c'est pas possible. Mais bon, c'est pas grave. J'ai posté cette affiche sur Facebook. Elle y est encore, pour celles qui veulent plus de renseignements. J'aurai un grand plaisir à partager ces moments inoubliables avec vous. Donc ne tardez plus trop. Et Be'atzlacha, je vous souhaite de vivre ce moment extraordinaire avec moi très bientôt. Bye!